que vous allez bien, donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pardon, je suis malade. C'est pour un énorme haul encore de chez Nose et Action comme d'habitude. Mais bon, c'est sur au moins 15 jours, 3 semaines là, donc j'attendais pas d'avoir plein de choses et voilà, d'avoir du coup ouais, c'est en 15 jours, 3 semaines, donc voilà, je vais vous faire voir ça tout de suite. On va commencer par Action. Donc j'ai pris un petit cahier comme ceci pour mon fils. En fait, à l'intérieur, vous avez plein d'activités. Voilà. Et vous avez aussi des stickers qu'il peut placer dans des images, je crois. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ceci pour moi. Je les ai trouvés trop mignons. Je les voulais trop pour moi. Mais à chaque fois, je ne les trouvais pas. Et puis là, je les ai trouvés au rayon enfant mélangé. Donc voilà. Donc il y a la petite reine. Et de l'autre côté, c'est les sucres d'orge. Donc je suis trop contente. Donc voilà. Je sais même pas combien ça coûtait. Mais je les ai prises. J'ai repris les petites choses comme ceci. Moi, je les aime bien, ceux-là. Donc j'en ai pris deux comme ça. Je les rachète à chaque fois. Ça coûte 65 centimes, je crois. J'ai repris mes cotons que j'adore. Parce que j'en ai presque plus. Après, j'ai pris, bah, comme d'habitude, des Kinder. Les Kinder. Mais ils font plus les Kinder Bueno en ce moment. Donc ça coûte 1,19€. J'ai repris du Toblerone. Mon mari, il adore. Mais en fait, moi, j'aime pas trop. Je sais pas. Mais mon mari, il adore. Donc j'en ai repris. Après j'ai vu sur la chaîne d'Aurélie Oluna, ma chérie, que en fait elle servait de ça quand elle faisait des masques en fait. Et j'ai trouvé l'idée assez sympa. Donc je l'ai testé. C'est des gants jetables. Donc comme ça, quand vous faites votre masque, vous enlevez bah, le masque avec ça et vous jetez quoi. Donc c'est vrai, c'est plus propre et tout ça. Donc voilà, je l'ai du coup. Elle m'a tenté. Donc voilà, j'en ai acheté. Après, j'ai trouvé des nouveaux vernis. Quoi, je les avais jamais vus ces couleurs-là. Et je les ai trouvés trop jolis. Voilà, bordeaux avec des paillettes. Rouge, bon, c'est vrai que les rouges-rouges, c'est pas trop mon truc, mais bon. Et il y avait aussi ceux-là. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Hop. Après, j'ai pris des KitKat. Hein, voilà. J'ai pris des sacs congélation. Ils sont super bien. Ça, je m'en sers tout le temps de ceux-là. Bah, du coup, j'ai repris ces lingettes-là. Les Teddy, parce qu'en fait, elles sont pas mal. Bon, elles sont pas. Si vous... Elles sont bien quand même pour le prix. Donc voilà, je les ai reprises. Parce que les Huggies, ils font plus le. Ce que je prenais d'habitude. Bon, c'est par terre, c'est pas grave. Des Twix, 1,19€, je crois. Ça, comme d'habitude, j'en prends tout le temps. J'ai pris du scotch que j'ai déjà utilisé un. Hein. Ça pareil, ils sont bien, il est bien ce scotch-là. Je le prends tout le temps. Après, j'ai pris dans les nouveautés qui arrivaient chez Action, ceux-là, ce gel douche-là. Et franchement, celui-ci, c'est une tuerie. Je ne sais pas c'est quoi l'odeur exactement, mais. Là, j'ai le nez bouché. Donc je ne sens pas trop, mais c'est une tuerie. Il y a aussi un orange. Non, un. Violet et un bleu. Je suis fatiguée moi. Mais moi j'ai pris celui-là. Donc franchement, il est top. Il sent trop bon. Après, j'ai pris crème pour les mains. Franchement, elles partent super vite. À chaque fois que j'y retourne, il n'y en a plus. Il n'y en a jamais. Donc là, j'ai repris le rose et le violet. Mais à chaque fois que j'y retourne, il n'y en a plus. Franchement, ça part super vite. J'ai pris des sacs poubelles. Pas très intéressant, hein, vous me direz. J'ai pris une petite boîte comme ceci, je l'ai trouvée trop mignonne. Voilà, pour offrir, c'est plus, ça peut être sympa. Après, j'ai pris des boucles d'oreilles comme ceci. Je suis pas trop rouge, mais je sais pas, je trouve elles peuvent faire sympa. Donc, je les ai prises. Après, j'ai enfin les nouveautés, quoi. Pas dans mon action à moi, mais dans l'autre que je mets des fois de temps en temps. Enfin! Donc voilà la nouvelle palette de chez Action de blush. Elle coûte 1,99€. Franchement, elles sont trop bien. Je les ai pas encore testées, je l'ai pas encore testé, mais voilà. Trop jolie.
Franchement, elles sont juste canon. Je suis trop contente. Puis le temps, ça galère trop. Après, j'ai trouvé un vernis comme ceci, vous voyez. Il est super joli. Il y avait des nouvelles. J'ai pris celui-ci aussi. Et il y avait des nouveautés. Là, j'ai... Par contre, dans mon action, il y avait enfin quelques nouveautés. Donc, des petites palettes comme ceci, mat. Donc là, c'est un peu noir, blanc, gris. Du bleu. 99 centimes. Et du nude. Et en fait, il y avait aussi des nouveaux rouges à lèvres. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. Donc, il y a, voilà, ce fait-là. Là, il y a le rose comme ceci et le marron. Et j'ai pris cela, rose comme ceci et rose nude. Et pour finir dans Action et ses nouveautés, il y avait ce lot de Labello. Donc là, vous avez au coconut. Là, je sais pas, almond, ail, argan, jojoba. Et en fait, ça recommence coconut et tout ça. Pour 1,89€ ou 1,99€. Donc, trop contente. Donc voilà, et à Action, j'ai enfin trouvé ça. Tout le monde en parle, tout le monde dit c'est top, mais à chaque fois il est en rupture. Ça fait au moins des mois que je le cherche. Et du coup, j'en ai pris deux. J'ai dit hop, on fait la réserve. Donc j'en ai pris deux. Donc voilà pour Action. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y en a plus chez Noz. Donc Noz. Alors il y avait plein de nouveautés stickers de Noël. Il y avait cela. Pareil, je crois que j'ai eu moins 50% parce qu'elle coûte 1,50€. Donc, je l'ai eu à moins 50 ou 60%. Il y avait cela. Le Papa Noël est trop mignon. Il y avait celui-ci. Pareil, 1,50€. Donc, moins 50%, je crois. Il y avait celui-là. Franchement, là, en ce moment, pour niveau scrap, il y a plein de trucs. Hop. Il y avait celui-là. Donc ça, c'est top. Niveau scrap, c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de trucs à Noz. Et j'ai pris ça. Des attaches parisiennes. Vous voyez? Trop mignon. J'ai trouvé ça mignon. Pareil, c'est 1,50€ moins 60%, je crois. Après, j'ai trouvé des petits livres comme ceci pour mon fils. Je me suis dit, bon, 50 centimes. J'en ai pris 4, je crois. Voilà, j'ai pris là celui-là. C'est à la ferme. Dans la forêt, animaux de compagnie, 50 centimes le livre, animaux sauvages. Bon, j'ai dit pour le prix, allez hop. Voilà. J'ai pris aussi cela, non, 2 euros, donc moins 50%, 50 ou 60, je sais même plus combien il y avait. J'ai pris des petits flocons comme ceci. Donc c'est 2 euros, ceux-là, donc moins 50 ou 60%. Après, j'ai pris des petits gants comme ceci à mon fils. Donc 50 centimes. Donc voilà. Après, il y avait des nouveaux masking. Je sais plus si je voulais. Comme ceci. Masking tape. Donc ceux-là, je ne sais même plus le prix. Mais ils coûtaient pas cher, hein. 75 centimes ou 99, je sais plus. Voilà, après j'ai pris un gel comme ceci de la marque Schwarzkopf. Donc 99 centimes, effet mouillé, fixation forte. Donc 99 centimes, vous allez en commerce, ça coûte au moins 3 euros, je suis sûre. Donc voilà. Comment vous dire que voilà. Après il y avait un arrivage, je crois que c'était. Parce que bon, c'est en plusieurs semaines que je vous dis ça, donc je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Mais il y avait un arrivage comme ceci. Donc ça, c'est les crèmes pour les mains, je crois. Oui, crème pour les mains. Donc j'ai pris les 4 senteurs qu'il y avait. Voilà. J'adore le packaging, il est trop beau. Donc j'ai pris, voilà, rose, vert, orange. Voilà, 80 centimes. Après, il y avait un crème sur gras corporel, donc un gommage. 1,29€. J'ai pris celui-là et celui-là. Après, il y avait un body pour le corps, mais il n'y avait que l'orange en fait.
70 centimes le petit que j'ai pris. Et il y avait aussi comme ça, lotion pour le corps à 1,29€. Donc j'ai pris que celui-là. Il n'y avait pas beaucoup de pour le corps. Donc après, j'ai pris vernis de la marque Simful Color en rose, 85 centimes. Et j'ai pris celui-là, il est trop beau, il a des sous-tons nacrés. Pareil, 85 centimes, donc top. Après, j'ai pris un petit bonnet comme ceci pour mon fils. Il n'était pas avec moi, donc il ne l'a pas essayé, mais bon, je pense qu'il lui va. 50 centimes, donc je perds pas grand-chose non plus. Hein. Après, il y avait re des arrivages de chez Macadamia. Donc du coup, moi, j'ai repris un shampoing et un après-shampoing parce que franchement, ils sont top. Moi, j'adore. Donc 1,99€, moi, j'adore. Donc j'en ai repris, j'ai refait du stock. Et puis, j'ai pris un pour la vaisselle de chez Wanks au Lemon. 55 centimes, donc pas grand chose. Après, j'ai pris des boucles d'oreilles comme ceci, des créoles, 99 centimes. Je vais peut-être les enlever du plastique. Désolée, je parle un peu du nez, mais comme je suis malade, voilà. J'ai pris celle-ci, donc pareil, 99 centimes. Et j'ai pris celle-ci, je les trouve trop jolies. Pareil, 99 centimes. Donc voilà. Et j'ai pris une petite tasse comme ceci, Paris, avec la cuillère, que j'ai payé 1,75€. Donc franchement, je suis trop contente, je l'ai kiffé. Et j'ai pris des petites lingettes comme ceci, elles étaient pas chères. Elles étaient, je sais plus, il n'y a pas le prix dessus. Mais elles étaient pas chères, il y en a beaucoup, il y en a 72 plus 28. Franchement, c'est un énorme paquet. Hein. Donc, ça vaut le coup. Alors, après, c'est pas fini. chez Noz, il y avait des masking tape comme ça, quoi. Décoration tape, ruban décoratif. Donc là, c'est avec des petits hiboux. 75 centimes. Et il y avait avec des petits papillons comme ceci, 75 centimes. Franchement, à niveau scrap, il y a plein de choses. Et il y avait des arrivages comme ça, des gros scotch. 75 centimes, donc franchement, avec les chaussures, elle est trop jolie. Alors après, il y avait plein de petites choses comme ceci. Là, des flocons, 75 centimes. Là, des petits anges comme ceci, pareil, 75 centimes. Des petites maisons, 75 centimes. Des petits bonhommes, si je vous montre à l'endroit c'est mieux. Petits bonhommes de neige, pareil hein, le prix. Des petits cadeaux et des petits papillons trop jolis. Franchement, il y en avait plein. Là, j'ai pris des petits landaux, 75 centimes toujours. Des petites étoiles filantes. Et pour finir dans le scrap, j'ai pris ceci. Donc voilà, franchement, ça vaut trop le coup. Après, j'ai pris ça. En fait, c'est pour les voitures, pour enlever l'odeur. 89 centimes. J'en ai pris deux. Après, j'ai pris des gels antibactériens de la marque Le Verger Shop. Donc j'ai pris raisin rouge, black currant et lily. Donc on paye 90 centimes. Donc franchement, il ne restait pas grand chose. Hein. C'était comme ça posé en bataille sur le truc, il ne restait plus rien. Après, il y a ma chérie Kelly qui m'a dit oui, il y a des arrivages Winnie en début de semaine. Et moi, je crois que j'y suis allée après le mercredi où il n'y avait pas. Et j'y suis retournée après le samedi et j'en ai trouvé, mais il restait plus grand chose quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Donc déjà en fait c'était en caisse. Bon déjà j'ai trouvé ce petit vernis de chez Modélite que j'ai payé 85 centimes. Et aussi celui-là. Voilà.
Après, donc Winnie, c'était en caisse. Donc j'ai trouvé celui-là, le 51. Le 50. Et le 58. Donc voilà. Et en fait, j'ai fait le tour du rayon où il y a le make-up et tout ça. Je dis, oh, il n'y a pas de palette et tout. Et après, j'ai refait un tour. Et en fait, je suis tombée juste sur cette palette. J'aurais préféré d'autres couleurs, mais bon. Elle coûte 1,50 €. C'est vrai que j'aurais préféré d'autres couleurs parce que moi, je me maquille très peu en noir. Et en fait, il y avait aussi du Michael Valenti. Donc, il y avait avec des paillettes. Donc normalement c'était 65 centimes le vernis, mais elle m'a fait un lot en fait, et elle m'a les a fait à 85 centimes les deux en fait. Donc ça c'est gentil. Voilà. Et j'ai pris celui-là. Donc voilà. Et pour finir, j'ai trouvé de la marque Modélite une ombre à paupières comme ceci. Franchement trop jolie. Que j'ai payé 99 centimes. Et j'avais vu aussi sur Facebook, elles avaient trouvé ça, je l'ai trouvé. Un torchon ananas, trop beau, que j'ai payé 1,99 € et vous aviez les autres comme ceci. Franchement, ils étaient bien. Mais bon, je me suis dit, je prends que l'ananas, hein. Et pour finir, en fait, je crois que je vous avais déjà présenté ça dans un haul, mais il y a très longtemps. Et en fait, j'étais déçue de ne pas en avoir pris deux. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je le prends. J'en ai déjà un en fait qui est là et j'ai payé 5,99 €, mais franchement il est trop 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 bien. Et du coup je suis trop contente, comme ça je pourrais en mettre un de chaque côté de mon bureau. Donc je suis contente, franchement il est bien. Donc voilà, c'est fini. Donc il y avait beaucoup de choses à Noz, mais j'y suis allée en plusieurs semaines, en plusieurs fois. Bon, en fait à Noz c'est vrai que pour trouver des choses il faut y aller pendant les arrivages. Parce que sinon vous trouveriez rien. Vous voyez, là le Winnie il a dû arriver parce qu'en fait l'arrivage c'est le vendredi et moi j'y suis allée samedi. Vous voyez, il y avait déjà quasi là, il n'y avait plus rien quoi. Donc faut vraiment aller quand il y a les arrivages. Certaines choses des fois ça dure, mais d'autres le make-up franchement faut y aller tout de suite. Donc voilà, assez blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Au fait, j'ai oublié de vous dire, quand vous êtes abonné, il y a une cloche. Faut la cliquer dessus parce que sinon, vous voyez pas mes vidéos. C'est le nouveau truc de YouTube. Donc, on loupe et puis YouTube enlève des abonnés. Désolée les filles, ça a coupé. Donc, j'étais en train de dire, voilà, il y a eu des changements YouTube. Donc, si vous cliquez pas sur la cloche, vous verrez pas mes vidéos en fait parce qu'ils privilégient. Ceux qui ont voilà plus d'abonnés ou que je sais pas. C'est le nouveau truc de YouTube, donc il faut cliquer sur la cloche, comme ça vous voyez mes vidéos. Parce qu'en fait, ils enlèvent tous ceux qui mettent pas de com, soi-disant, qui sont pas actifs. Donc voilà. Donc je vous le dis, donc n'hésitez pas. Donc voilà, assez blablaté. Est-ce que je blablate trop là aujourd'hui? Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.